Bonjour Philippe, comment vas-tu Alors aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est surtout l'anniversaire du club, hein. et le club, c'est un collectif de 235 membres. Donc, c'est notre anniversaire. Évidemment, je suis un des fondateurs. C'est aussi mon anniversaire, mais voilà, pour l'important pour moi, c'est le collectif. Hein. C'est effectivement et, et cette, ce, ce club, je, je, je suis. C'est parti d'une idée il y a maintenant 10 ans. Euh, dans une période un petit peu compliquée pour moi professionnellement, puisque je travaillais à cette époque-là pour une fédération d'installateurs en téléphonie. Je ne citerai pas le nom. Il y avait un président qui avait mis un terme donc à mon, euh, qui avait mis un terme à, à ma prestation de consultant, alors que j'avais ramené pas mal de partenaires dans cette fédération d'installateurs en téléphonie. Et euh, bah, comme la nature a horreur du vide, euh, je me suis dit il y a peut-être des solutions. Euh, en, en créant un club autour de la convergence euh, informatique et télécom, surtout qu'à cette époque-là, j'avais euh, travaillé aussi pour une, une autre entreprise qui s'appelle Rim Blackberry, qui, elle, dans ces, à cette époque-là, ne croyait pas aux applications, croyait qu'à la téléphonie, alors que les appels arrivaient avec Apple, hein, euh, avec Galaxy. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui se passe, on était en 2011. Euh, les technologies convergent, mais on, les hommes ne convergent pas. Donc euh, la téléphonie devient une application informatique. Et donc l'idée du club, au départ, euh, c'était de faire, de faire converger les dirigeants des réseaux télécom et informatiques. D'où le nom du club des dirigeants réseau et télécom. Maintenant, on est aussi le côté informatique. Euh, voilà, ça, c'était la, la, la création en novembre 2011. Il a fallu trouver aussi une équipe. Est, Pascal Prévost, qui était euh, l'autre cofondateur, m'a aidé sur la partie back-office et marketing. Hein, parce que quand vous montez un club, si vous n'avez pas les outils derrière, c'est pas la peine hein, pour gérer. Et puis, il a fallu très vite monter aussi une équipe d'administrateurs et dans ce cadre-là, on a fait venir une personne qui s'appelle Eric Azarav, un des cofondateurs qui nous a aidé à monter les statuts, euh, Frédéric Descartes qui nous a amené des installateurs en téléphonie aussi pour commencer et puis aussi euh, euh, il a fallu trouver un, un président euh, qui était rapidement Stéphane Grasset euh, d'Abstucom et on est parti après sur l'idée de euh, essayer de trouver des leaders d'opinion des journalistes, hein, je me souviens de, du journal des télécoms qu'on avait rencontré, euh, de effectivement, EDI qui commençait, puisque c'était le, le tout début d'EDI il y a 10 ans, pour, et puis quelques grandes entreprises, ou entreprises, des, surtout des installateurs téléphoniques téléphonie, pour voir s'ils ils trouvaient que c'était intéressant. De monter un club euh, parce qu'on a voulu rester tout de suite un club, une association de loi 1901, sans être une fédération ou sans être un syndicat. L'idée c'était un club de réflexion avec quatre objectifs un, euh, apporter un éclairage sur l'évolution de nos métiers et de nos business models. Et je peux vous dire qu'en disant ça, a bien changé. Deux, euh, rompre la solitude du chef d'entreprise en, en lui faisant rencontrer ses pairs et en les faisant converger. Donc il s'est passé. Quelques petits rapprochements d'entreprises dans le club depuis dix ans. Il enfin, faudra qu'on fasse une liste un jour, mais c'est impressionnant. Trois, c'était toujours euh, de le faire dans un cadre sympathique, euh, faire découvrir des lieux en toute bienveillance. Et puis, il y a un autre aspect euh, c'est en, en région. C'était de se rapprocher de ce qu'on appelle des clusters locaux de, 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 de DSI ou de clients qui, eux, nous ont un peu aussi aidé à faire connaître notre club régionalement. Par exemple, je prends le cas d'ADN West. Euh, Nantraine. Euh, ils nous ont pas mal aidés au départ. Et donc la, la, la recette, c'était un peu ça, c'était euh, de toujours en région s'appuyer sur les, les clusters locaux, une entreprise locale forte. Et euh, le club, il y a très vite, c'est extrêmement vite développé en région, puisque maintenant nous sommes sur cette ville. Hein, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Nantes et Toulouse. Et euh, on va peut-être ouvrir d'autres villes avec à chaque fois des délégations régionales. Donc c'est un club qui est national et qui n'est pas parisien. Donc aujourd'hui c'est Laurent Silvestri qui est le président. Aujourd'hui c'est la fête. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CDRT pour les dix ans qui viennent Alors effectivement Laurent Silvestri est notre président depuis maintenant quatre ans. Euh, la présidence c'est deux fois trois ans. Euh, qui nous a apporté énormément de choses au niveau de la communication, au niveau des idées, au niveau des thématiques. Il a redonné un coup de fouet. Euh, il a donné un coup de fouet à ce club. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter C'est-à-dire qu'on a monté le premier et le deuxième étage. Maintenant, il faut monter le troisième étage. Euh, donc, on a un nouveau conseil d'administration avec des nouveaux administrateurs qui sont rentrés récemment, là au mois de mars, avec l'objectif, effectivement, de se rapprocher de plus en plus des clients finaux, parce qu'on a aussi des choses à leur dire, puisque on est un club de la convergence, mais ce qu'on appelle des numérisants et pas dénumérisés et euh, de leur apporter un petit peu nos, euh, le résultat un peu de nos travaux, nos, nos études, et euh, de plus en plus se rapprocher d'autres associations type Medef, Sigref. Euh, c'est pour ça qu'on a des personnes qui connaissent un petit peu ces, ces associations. Donc c'est d'aider nos adhérents aussi à rencontrer des clients finaux et euh, d'aller de plus en plus sur des termes autour, euh, de la relation client, du développement aussi de tout ce qui est euh, outil de, de CRM. Euh, au départ, on est commencé par les installateurs en téléphonie. Maintenant, c'est les opérateurs de services qu'on aimerait bien qu'ils deviennent opérateurs de solutions. Donc c'est apporté à chaque fois. Euh, un éclairage sur l'évolution euh, régulièrement. Donc, en ce moment, c'est la relation client. Il y a quelques temps, c'était le SD1. Avant, c'était la cybersécurité. Donc, on n'est pas fermé et euh, on veut peser aussi auprès des organismes de régulation type Arceb pour leur montrer que on, on avance aussi de notre côté, sans être, comme je le disais au départ, ni un syndicat ni une fédération. En tous les cas, bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci, Paul, et merci. Et bienvenue aussi pour ces dix ans.